sont arrivés, ils vont dire, je n'ai pas crié en Dieu. D'ici là, nous allons passer, aller vers ce côté. Si vous êtes deux en celui qui est là, non, allons vers ce côté. Il sait que vers ce côté, il n'a pas déjà dit. Il ne veut pas aller sur la guillotine. Quand vous ne voulez pas vous diriger vers là-bas. Parce qu'il n'y a pas un bon témoignage. Toi aussi, comment peux-tu te comporter avec ceux qui sont dans le monde? Et on décide de faire une évangélisation. Et que c'est toi qui te tiens devant lui encore. Ils vont dire quand même toi aussi. Pardon. Toi, tu es bon et bien ici. La Jésus qui on y est totalement tout toi. Ce que Jésus nous dit de faire. Il n'est pas été bon hier la banane. Il nous a pas dit d'aller prêcher. Alors de partager cette nouvelle avec ceux qui sont dans la famille. De prêcher cette parole là. Au moment de notre famille. De leur parler. Avant d'entamer. Ceux qui sont avec vous. Dans vos services, s'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ça va que vous êtes vraiment un chrétien. Je vais vous rappeler le témoignage d'un homme dans une gendarmerie. On a dit que cet homme. D'ailleurs, même film bête, jeune chrétien amené à l'église, à quel il y a cassé le can exactement la blé, on a les tracés. Il y a un film qui correspond à ce témoignage, c'est un film tourné par. Il y a beaucoup de cinéma ici là. C'est une réalité. Oh bien, le métier. On a dit que dans ce service, quand le chrétien y est entré nouvellement, quand on demande de faire ce service, si le chef donne un ordre, il suit, il fait. Et il sait que ce qu'on dit de faire n'est pas suffisant. Même une seule fois, il n'a jamais dit au Jésus. Et lui, il est chrétien. Alors souvent, il y a quelqu'un de petit, le chef ne l'est pas. Il a fait comme il veut. Quand il va pour faire leur vie, pour manger, le chrétien le suit. Il n'a jamais se révélé un jour comme chrétien. Mais on a dit que le chef était vraiment méchant. On ne peut pas brûler ses pas. Si il donne un ordre, si tu n'obéis pas, si tu n'obéis pas seulement, on t'amène au Youf. Si vous désobéissez à ces commandements, vous êtes puni immédiatement. Mais notre chrétien prend garde de désobéir à son chef. Mais un jour, et d'ailleurs même ton corps de zoubemenga, n'a pas rien.
Et le thème même de notre message va parler d'une femme. Quand cet homme est elle n'était pas seule. La Bible n'a pas porte à porte. Elles sont sorties pour évangéliser porte à porte. Là, pour quand elle sera. Pareil, il a dit de venir, on va aller donner ce Il a dit il vient se donner à Jésus pour être sauvé. Venez, on va aller lui parler de Jésus. Elles sont arrivées, elles ont commencé à parler. Le gars était vraiment méchant. Il les a mal parlé. Je connais mieux votre religion que vous-même. Allez, y'a un pacte de voir que tu ton numéro le même parle. Nous enfermons certains de vos pasteurs ici. La chine, il a commencé à insulter, la religion. Tout déjà. Les pasteurs, les chrétiens. Il a tout parlé. Tu parles pas ta bouche, fais ça. Quand les femmes ont permis qu'elles aient disent tout. Et après cela, une fois lui a posé la question. Si tu meurs ce soir même, est-ce que tu feras tu? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? La femme a continué. Dans votre fonction, vous travaillez avec les balles et il y a souvent des balles perdues. Si vous êtes atteint par une balle perdue, est-ce que vous verrez le Seigneur? Avec ces questions pertinentes, il a continué à parler. Et quand la femme était en train de parler, c'était exactement le comportement de cet homme. C'était vraiment un homme méchant. La parole qu'il est utilisé la femme a dit tout ce qui concerne cet homme. Après la wanya. Et à la fin, il a réfléchi en disant, madame, sans vous flatter, telle que ma vie est, en tout cas, si je meurs aujourd'hui, je ne peux pas aller au royaume. C'est ça, mais cela n'est pas tard. Si vous le savez, c'est aujourd'hui. Tu vas laver tout le péché. Tu vas transformer votre être. Tu vas commencer à y que même si vous rencontrez la mort, que votre âme puisse faire Dieu. La gendarme a quand il chaud comme ça au tournant, il n'y en a pas. Le gendarme a demandé que ferais-je pour avoir le salut. Parlons de la dame à tout le monde. Les femmes lui montraient la rica de nos pays. Et il s'est donné à Jésus. Pourquoi la Bible? Il lui a donné une Bible. Où il y a une dosière? Il lui a montré une église. Et il part à l'église. Quand il a commencé à fréquenter l'église, deux ou trois dimanches après, on a dit que sur son bureau, il a dit d'évacuer tous les papiers qui étaient sur le bureau. Lui, il n'a pas caché sa femme. La Bible qui est en train de se faire. La Bible est venue déposer cela sur son bureau. Si personne entre dans son bureau, oui, ses camarades lui posent souvent. Pourquoi y a-t-il une Bible sur ton bureau? Es-tu devenu protestant? Là, il faut faire. Justement, il dit l'autre, là, il va pour quelqu'un. Justement, c'est pour vous amener à me poser cette question. Comme tout, l'évangile, je suis devenu chrétien. Aïe, ah,
quand il signe pour toi, voilà. Quand il commence à Jésus-Christ, il profite maintenant pour vous dire et pour vous donner le témoignage de Jésus. Quand il vient le moment, d'ici la tombée du jour, il a prêché la parole de Dieu à tous les autres salariés. Et beaucoup étaient surpris. Et cela est surpris pour nous. La vie est comme tu tiens. Et le chef lui fixe le regard en disant, quand on a la permission, je ne vois pas tel qui te va rencontrer. Je te donne une permission, vas-y chasser un pasteur. C'est là que et vous tous déjà, vous êtes au courant. Et toi, tu es là parmi nous, il y a longtemps, personne ne savait que tu es chrétien. Non, faut tirer maintenant pour eux. Ça, c'est une fois. Il faut aller te convertir. Là, tout le monde le fait. Et tout ce que tu as fait avec nous. La vie est en nous. Et on nous a dit que c'était vraiment une tristesse pour ce pasteur. Frères et sœurs, ne cachez pas. De toutes les façons, il a dit qu'il parle, qu'il va tomber. Quoi qu'il en soit, il a dit qu'il va tomber. Les hommes vous connaissent mieux. Et il vaut mieux vous demander. Vous ne pouvez pas cacher votre foi. Révélez votre foi. Montrez qui est Christ. Là, et on en parle. Beaucoup d'âmes seront soumises. Grâce à vous, beaucoup d'âmes seront soumises. Nous ne devons pas cacher notre foi. Nous allons faire la lecture dans Acte 16. À partir du verset 16. Si vous y êtes, nous allons faire la lecture. Bene, bon de net, on a Paul et Silas. Nous parlons de Paul et Silas. Pendant signe, la main, torse la raconte la vie de sa part. Je ne veux pas aller vers le milieu des jours, faire vous raconter la suite. Rien la main, signe verset pile, rien la main. Et Paul nous y bonne. La tombe, c'est un d'abord pour son zigri, mais pour le yé. Il y a qui tu vas voir certains à juste au moment par la vie trop à barre pour vivre la yé pour la apolle ton pour et qu'elle n'y était donc à ça il y a un dans 5 à tout un tour de bas c'est William Farr sur la à main à votre bras vous trop la poule yam yé qui n'y est pas même Ma mère ta foi, n'est Jésus-Christ, yotoui, m'badiga. La waka kangbala, a yimi. La bipoula, sur la main, Seigneur, te bam katrin de l'empam, libidi, n'yé, bam yoka pour n'est si la, en te bam bra pour point. King nanam sa taori bamta la bamin king bu koro taori en yele lokan sa si ya jibra man ramda kontena bam samada neba minbu ni ston se ya romen dama romen neba 50 en dir wala sake la kunga dike zabri nebamba la bu korba honore sobre obtiens a polne a silas futu a pambamba ne kawas la bamse pambam bujo bamiore kien sa bam biero bamiore kien sa bam biero rome en yel biero naba
Bamba, d'abord.